Salut tout le monde, bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Alors il fait nuit donc j'ai sorti les méga éclairages, j'espère que vous allez bien, vous allez bientôt fêter Noël, donc c'est bientôt les fêtes de Noël. J'ai reçu ma beautiful box je pense, donc on va l'unboxer ensemble. Mais avant ça, j'ai voulu faire un petit maquillage simple aujourd'hui, donc j'ai mis des paillettes sous mes yeux. Et j'ai ressorti mes vieilles paillettes de chez Make Up For Ever, je sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait les Diamond Powder, donc j'ai mis ces deux teintes. Et j'ai découvert un super eyeliner, je ne connaissais pas cette marque, c'est Douche. Et franchement, il fait un trait hyper fin, hyper... Si vous cherchez un eyeliner fin qui bave pas, celui-là, il est vraiment super bien. Je vous le conseille, il est comme ça. Et sur mes cils, j'ai découvert ce mascara, c'est un mascara de chez Marionno. Je ne sais pas si vous voyez bien, le Happy. Et en fait, la brosse, elle est comme ceci. Et il est vraiment trop bien. Donc voilà, et sur mes lèvres, ah oui, voilà, sur mes lèvres j'ai mis celui-là, donc je croyais que c'était un matte, et en fait c'est un soft matte métallique, et il est super, super joli. Et sur mes joues en highlighter, j'ai mis celui-là, c'est un nouveau que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, c'est NYX Duo Chromatique, et franchement si vous n'osez pas commander chez Colourpop, c'est son dupe, mais vraiment son dupe de dupe. Le dupe du Monster Super Shock Chic de chez Colourpop. Et si vous regardez, vraiment déjà ils se ressemblent. Et alors c'est exactement la même chose. Je sais pas, on le voit pas très bien. Mais il est super joli. Peut-être que les éclairages sont trop forts. Donc on va démarrer l'unboxing. C'est parti. Excusez-moi pour le bruit. Donc, déjà la box elle se présente comme ceci. Ça fait vraiment très. Il y a déjà des petits... qui dépasse, qui fait très Noël. Donc en fait on avait la possibilité de rajouter 6,50€ et on avait un chalet, mais après il y avait la même somme à l'intérieur, donc moi j'ai pas voulu rajouter, j'ai payé la même somme. Donc voilà, comme d'habitude on a la petite carte, donc je sais pas, j'ai pas envie de me spoiler. Il y a aussi les petites cartes comme ceci. Donc moi ce que je vais faire, je vais attraper au hasard un produit et puis après je regarderai la carte qui correspond. Donc premier produit que je pioche, c'est une brume scintillante parfumée, donc de la corps et cheveux de la marque Compagnie des Indes. Il est un petit peu abîmé je trouve le flacon, je sais pas si vous allez voir, il a l'air tout rayé. Donc c'est quoi, on va regarder ça ensemble. C'est bizarre, j'ai pas la carte. Attendez, je vais bien regarder. Ah si, excusez-moi. Donc c'est une brume scintillante parfumée au monoeil de la Compagnie des Indes, la valeur c'est de 39€. Donc je vais la tester moi. Il n'y a pas le petit capuchon, c'est bizarre. D'accord, c'est une brume parfumée. Alors est-ce qu'il y a des paillettes? Non, il n'y a pas de paillettes. Par contre, ça sent bon le monoeil. Ouais, pourquoi pas. Donc pourquoi ce prix-là? Routine, brume scintillante, ils disent parfumée, donc elle doit briller. Ah si, il y a quelques petites paillettes. Non, alors, vraiment légère les paillettes. Je vais essayer de vous les montrer, mais... J'ai fait un swatch rouge tout à l'heure, la main est mouillée. J'ai fait un swatch d'un super... Je sais pas si vous voyez, oui ça scintille, ma main le scintille. Je vois ce qu'ils veulent dire. C'est en fait la poêle est plus brillante. Ah non là ça a séché. Ouais, il y a des petites paillettes. Bon c'est pas... Hein. Là je les vois moi à l'œil nu mais j'arrive pas à vous les montrer. Je sais pas comment faire pour vous les montrer. Bon ben voilà. En tout cas c'est joli. Ça sent bon. Donc maintenant on va passer au prochain produit. Donc ça c'est le produit sérum à la camomille. J'en ai déjà terminé deux comme ça. J'en avais eu un dans ma beautiful box, un que j'avais acheté. Ça coûte 60€ et ça c'est le cadeau que j'ai eu. Donc je dois pas avoir la fiche. Ah si, ils m'ont quand même mis la fiche. Donc ça a même augmenté. C'est 65€. Donc c'est un sérum comme ça et il est vraiment trop bien, apaisant et hydratant. Pour ma pochette, il est génial. Donc j'avais le choix entre au quatrième colis ou le sérum ou la palette colorée ici, mais d'une valeur de 39€, mais j'ai déjà eu, donc je préférais prendre le sérum. Donc ça c'est le cadeau au bout de 4 mois d'abonnement, vous avez le droit de choisir un cadeau, donc moi j'ai choisi celui-ci, donc c'est ça, c'est en exclusivité, donc valeur 65€, donc, je suis trop contente. Après nous avons sérum nourrissant. Alors si vous aimez pas les huiles chez Beautiful Box, il faut pas y être parce que moi ça va, j'ai la peau sèche, j'adore les huiles pour mes cheveux, pour ma peau. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'huiles, je trouve. Sérum nourrissant sublime corps et cheveux. Botanicae, je connais pas la marque. Donc on va regarder la petite carte.
qu'est-ce qu'ils nous disent? Sérum nourrissant, donc ça coûte 25,90€. C'est bio, c'est non testé sur les animaux. Et ça a 96 sur 2 sur un note Inky. Donc voilà, pourquoi pas tester cette petite huile. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un pinceau plat qui a l'air super doux. J'avais bien aimé les pinceaux Beautiful Box. Je suis contente. C'est mon préféré que j'aime bien, moi, c'est un de chez Birchbox. Il faudrait que je regarde si je peux le retrouver. C'est un pinceau pour les yeux et j'adore. Quoique depuis que j'ai essayé les Jésus, ils sont vraiment bien aussi les Jésus. Donc c'est un pinceau langue de chat Beautiful Box qui a 9,90€. Voilà. Donc j'avais oublié de vous dire aussi, parfois il y a des codes promo. Je vous marquerai le code promo en barre d'infos. Excusez-moi, j'arrive plus à parler, on est le soir. Donc oui, parfois sur les produits, il y a certains produits avec des codes bon les promos. Les dates sont assez limitées. Mais c'est vrai que... que ça vaut le coup parfois. Donc, ah ben, je peux parler de la palette Colorici. Ah ben là, c'en est une autre. Donc, je suis trop contente. Ils m'ont mis cette palette. Moi, j'avais. Elle est d'une valeur de 39,90€. C'est ce que je vous disais. Et on avait le choix entre ces modèles-là en couleur marron. Il y avait des graines de café. Mais là, je suis contente d'avoir celle-ci parce que c'est vrai que c'est des bons fards. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Cruelty free, vegan. 39€. Et 97 sur 100. 97,5 sur 100. Donc c'est vraiment un bon produit. Non, je suis contente. Je vais faire quelques swatchs. On va prendre quelle couleur? On va prendre celle-là. Celle-là. Ah ouais, non, et vraiment, ça rigole pas. Et celle-là. Donc, je vous ai fait quelques swatchs. Donc là, j'ai mis un clair. Vraiment, ils sont vraiment... vraiment top, hâte de tester cette palette. Donc non, franchement, elle est bien la box de Noël, je suis contente. Maintenant, on va passer au prochain produit. Ah ben, j'ai trouvé le petit capuchon, il est là. Du flacon, il faut que je fasse gaffe de ne pas m'en mettre sur mon pull blanc. Donc nous allons passer à ça, c'est quoi? C'est hydratation esquisse aux extraits de vignoble, c'est Vinessim. Donc ça, j'avais eu un gel douche, une... je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Il y a trop de lumière, on ne voit pas, dommage. Donc c'est un... j'avais eu le gel douche et la crème, et là, c'est une hydratation. C'est pourquoi crème de jour, donc c'est pour le visage, je pense. Donc elle coûte 50€. Ah ouais, non, ça rigole pas chez Vinessim. 50€, donc elle doit être bien. Hydratation esquisse. Donc voilà, ils nous en disent pas plus. Avec une bouteille de champagne à côté. Donc 97,3 sur 100. Donc voilà, et le dernier produit apparemment, c'est un gel contour des yeux de la marque Alloré, lissant, énergisant, anti-fatigue. Et ben tant mieux, parce que mon contour de l'œil s'était habitué à celle de chez... comment, c'est quoi la marque déjà? Ah punaise, j'adorais la Polar, j'avais plus du tout de cernes, et là je me suis remis à la... oh j'y arrive plus... Caudalie, et non pas Caudalie, Cadalis. Et la Cadalis, ben, j'ai l'impression qu'elle marche plus par rapport à la Polar, donc hâte de tester celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour ma box de décembre, et franchement je suis trop contente. D'ailleurs j'ai eu pas mal de produits, d'habitude c'est 5, là j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc j'en ai eu 2 de plus, je suis vraiment très très contente. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à la Beautiful Box, j'ai un lien de parrainage qui vous donne droit à je sais plus, je vous marquerai tout en barre d'infos de toute façon. En tout cas, j'ai un lien de parrainage qui vous donne un avantage si vous laissez la Beautiful Box. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!